Coucou tout le monde, ben voilà, je vous retrouve donc pour une nouvelle présentation de livres. Donc cette fois-ci c'est sur Flora, donc de Maria Troll. Donc comme ces autres livres, la qualité papier est quand même convenable. Vous pouvez vous servir de n'importe quel type de matériel dessus, bien évidemment pas de feutre à alcool parce que sinon ça va complètement foirer votre colo de derrière, mais tout ce qui est aquarelle, crayon n'importe lesquels, ou même peinture en godet ou n'importe quoi, tout ça passe, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez tous les livres de Maria Troll ou lesquels que vous aimeriez acheter, quel est votre préféré. Dites-moi si vous aimez ces livres ou non et pourquoi. Ça peut permettre aussi que je vous réponds à vos commentaires tout simplement. J'arrive plus à trouver le mot. Bon, il est bientôt 1h du matin, donc le cerveau il est un petit peu merde comme on dit. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus d'abonnés et comme ça ben ça me permet aussi d'interagir, voilà, j'ai retrouvé le mot, d'interagir avec vous. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Dream Team Color Addict, donc c'est exactement la même écriture que la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi parler du groupe et de la chaîne autour de vous pour ceux qui aiment le coloriage, bien évidemment. Après, j'oblige à rien, hein. C'est des propositions que je vous fais. J'espère que cette fois-ci la vidéo va bien se mettre parce que ça fait déjà 3 fois que j'essaye de la tourner et il y a toujours un bug. Donc j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Comme on dit, jamais 203. J'aime bien aussi ce qu'elle fait, le fait que ça soit sur fond noir de temps en temps. Je trouve que ça change un petit peu. Oups! Que toujours faire sur fond normal. Désolée. Mais comme j'essaie de le dire dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, si c'était le premier essai ou le deuxième, mais comme Action n'est pas encore ouvert, ben je ne sais pas les voir pour la perche. Ça sera donc plus facile à ce moment-là de faire les vidéos de présentation, que ce soit de matériel ou de livres. Voilà la fin, comme d'habitude, on met le petit index. Voilà l'arrière et donc le prix, donc 15 euros. Bon, c'est 15 $, mais ça fait plus ou moins le prix en euros. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.